Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Brevet des collèges, Bontifieri, session 2018. Exercice 1. On considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule. Représenté ci-contre, ce plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. On lance la boule sur le plateau. La boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée. La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. 1. Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8? 2. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair? 3. Quelle est la probabilité que le nombre de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier? 4. Lors des deux derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7? Argumenter à l'aide d'un calcul de probabilité. Alors, exercice 1, exercice de probabilité. Donc, ici, on a 13 cases numérotées de 0 à 12. Et on lance donc la boule sur le plateau et la boule finit par s'arrêter au hasard par une case numérotée. Je suppose que chaque case a un même R. La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Donc ici on est sur les situations d'équiprobabilité. Alors quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8? Donc on va noter ça P1. Et bien la probabilité qu'elle tombe sur le numéro 8, et bien c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Donc ici cas favorable, cas total. Donc il y a 13 cases. Un cas favorable, ça va être 8, donc 1 treizième. Donc la probabilité que la boule s'arrête sur la case numéro 8 est de 1 treizième. Alors, ici, quelle est la probabilité que le nombre de numéros de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair? Donc, on va lister les nombres impairs. C'est 1, 3, 5, 7, 9 et 11. 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Donc ici, il y a 6 cas favorables sur 13 possibles. Donc ici, probabilité que le numéro de la case soit un nombre impair est de 6 sur 13. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier? Donc un nombre est premier s'il est supérieur à 2 et s'il n'admet que 2 diviseurs distincts. Donc ici, supérieur ou égal à 2, donc 2, 3, 1, 3, 4, 2, 2, 5, 1, 5, on peut prendre, 6, 3, 2, non, 7, 1, 7, oui, 8, 4, 2, non, 9, 3, 3, non, donc 3, 1, 9, 10, 5, 2, non, 11, 1, 11, c'est bon, et on peut s'arrêter là. Donc il va avoir 5 cas possibles. Donc probabilité que la boule s'arrête sur un nombre premier, eh bien c'est 5 sur 13. Alors, on sait que les deux derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case 9. Est-ce qu'on a plus de chances qu'elle s'arrête sur la case numéro 9 plutôt que sur la case numéro 7? Bien non, car la probabilité. Bien entendu, on récupère la balle et on refait un lancer. Eh bien, ici, la probabilité d'avoir un 7, eh bien, ça va être égal à 1 sur 13. La probabilité d'avoir un 9, c'est 1 sur 13. Donc ici, on a autant de chances que la boule s'arrête sur la case numéro 9 ou que la boule s'arrête sur la case numéro 7. Exercice 2. Le pavage représenté sur la figure 1 est représenté à partir d'un motif appelé pied de coq qui est présent sur des nombreux tissus utilisés pour la fabrication de vêtements. Le motif pied de coq est représenté par le polygone ci-dessous, à droite, figure 2, qui peut être réalisé à l'aide d'un quadrillage régulier. 1. Sur la figure 1, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1? 2. Dans cette question, on considère que AB est égal à 1 cm. Figure 2. Déterminer l'aire d'un motif pied de coq. 3. Marie affirme si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire
sera aussi divisé par 2. A-t-elle raison ? Justifiez pourquoi. Alors, exercice 2, un exercice sur le pavage. Donc ici, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1 ? Donc ici, on peut se limiter au bec. Et donc, on peut se dire, alors si c'était une rotation, le bec ici, se retrouverait par exemple là, ou ici, et on voit, ici, on voit que il n'y a pas de déplacement du bec. Pareil, donc là c'est pour la rotation. Alors on pourrait avoir une symétrie centrale avec ce point-là. Donc ici ça veut dire que on aurait ce genre de choses. Pareil pour la symétrie axiale. On aurait ce genre de choses. On voit ici que le bec blanc ici, hein, blanc et blanc. On voit que ça se déplace, le bec se retrouverait ici plutôt, et non de l'autre côté. Et il ne nous reste plus qu'une transformation qui sera exacte, c'est la translation. Donc il déplace ce point-là en ce point-là. Ici qui déplace ce point-là en ce point-là. Quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1 ? Eh bien c'est une translation. Donc ici on aurait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Donc ici, AB est égal à 1 cm. On a 1 cm ici. Donc on peut compter en fait ici l'air du pied de coque. Donc on va mettre l'air pied de coque. Ici c'est l'air du carré A, E, H, K, A, E, A, E, H, K, plus l'air, deux fois l'air de C, B, F, ou C, B, E, D, donc C, B, E, D, plus deux fois l'air du triangle, I, J, H, R, 2, I, J, H, vous voyez bien, ici, si je remets, par exemple, en jaune, faites ça, ceci, l'air de CBED, donc CBED c'est ce trapèze, on aura ce trapèze ici, et l'air de AI, donc l'air de IJH, IJH, c'est ce triangle-là, c'est aussi ce triangle-là. Donc on aura deux fois la même R à calculer. Donc ici, l'air de AEHK, bah c'est un carré de côté 2 cm, donc 2 fois 2. Plus l'air de CBED, on peut compter les carreaux. Donc ici on aura un carreau, ici un demi-carreau, donc 3 demi fois 2. Et le triangle ici c'est un demi-carreau, donc 2 fois 1 demi. On aura ici 4, plus 2 sur 2, 1, donc 3, plus 2 sur 2, 1, 1. On a alors 8 cm carrés. Alors si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera aussi divisé par 2. Non. Donc Marie a tort, car si on divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire est divisé par 2 au carré, égal à 4. Exercice 3. Cet exercice est un QCM, questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions, 4 réponses sont proposées et une seule est exacte. Une réponse fausse ou absente n'enlève pas de points. Pour chacune des 3 questions, écrire sur votre copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse. 1. 2,53 x 10 puissance 15 est égal à réponse A, 2,53. Réponse B, 2530 milliards. Réponse C, 253 000 milliards. Réponse D, 37,95. 2. La latitude de l'équateur est réponse A, 0 degré. Réponse B, 90 degrés est. Réponse C, 90 degrés nord. Réponse D, 90 degrés sud. 3.
2 tiers plus 5 sixièmes sur 7 est égal à réponse A, 3 quatorzièmes, réponse B, 1 neuvième, réponse C, 0,214,285,714, réponse D, 0,111,111,111. Alors, exercice 3, QCM. Alors ici, 2,53 fois 10 puissance 15. Alors on va rassembler en paquet de 3. 2, 5, 3. Donc là il faut 15. Donc à partir de la virgule il faut 15 nombres. Donc 53 et 13 0 devant 53. Donc 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors on fait en paquet de 3. Ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici ça va être la réponse B. Alors 2, la latitude de l'équateur est, si on fait un planisphère, donc l'équateur c'est cette ligne là. Donc là on aurait 90 nord, 90 sud. Donc ici on aurait 0. Donc latitude de l'équateur c'est 0. Alors ensuite 3, 2, 5, 2 tiers plus 5 sixièmes sur 7. Alors on met au même dénominateur. 2 fois 2 sur 3 fois 2 plus 5 sur 6 sur 7. 4 sur 6 plus 5 sur 6 sur 7. On obtient alors 9 sixièmes fois 1 septième. Ici on aura 3 demi, 3 sur 14. Ici 3 sur 14, réponse A. Exercice 4. Programme A. Choisir un nombre, soustraire 3, calculer le carré du résultat obtenu. Programme B. Choisir un nombre, calculer le carré de ce nombre, ajouter le triple du nombre de départ, ajouter 7. 1. Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. Expliquez en détaillant les calculs que le résultat du programme de calcul est 4. 2. Tidjane choisit le nombre moins 5 et applique le programme B. Quel résultat obtient-il ? 3. Lina souhaite regrouper le résultat de chaque programme à l'aide d'un tableur. Elle crée la feuille de calcul ci-dessous. Quelle formule, copiée ensuite à droite dans les cellules C3 à H3, a-t-elle saisi dans la cellule B3 ? 4. Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Pour cela, elle appelle X le nombre choisi au départ et exprime le résultat de chaque programme de calcul en fonction de X. A. Montrer que le résultat du programme A en fonction de X peut s'écrire sous forme développée et réduite, comme x² moins 6x plus 9. B. Écrire le résultat du programme B. C. Existe-t-il un nombre de départ pour lequel les deux programmes donnent le même résultat ? Si oui, lequel ? Alors, exercice 4, donc, programme de calcul. Alors, ici, Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. Donc ici, on aura donc, 1. On soustrait 3 à 1, donc ça fait moins 2. On prend le carré, moins 2 au carré est égal à 4. Donc, le résultat du calcul, c'est bien 4. Donc, 2 Tidjane choisit le nombre moins 5, et applique le programme B. Donc, moins 5. Ensuite, on prend le carré, moins 5 au carré, 25. On ajoute le triple du nombre de départ. Donc, 25 plus 3 fois moins 5. 25 moins 15, moins 15, ça fait 10. Et on ajoute 7. Donc ici, on aura 10 plus 7, 17. Donc pour le programme B, on aura bien donc 17. Alors, quelle formule copier ensuite à droite ? Donc, faut-il saisir pour B3 ? Donc B3, c'est le programme B. Donc ici, B3, à cet égal-là. Donc on va choisir un nombre, on prend le carré,
Donc on fait B1 fois B1. On ajoute le triple de ce nombre, plus 3 fois B1. Et on ajoute 7. Plus 7. Alors, on veut savoir quel nombre de départs faut-il choisir pour que les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Alors, 4A. Alors, A peut s'écrire sous la forme développée et réduite moins x carré moins 6x plus 9. On va prendre un nombre, x. On lui soustrait 3 et on prend le carré. Donc, si on développe ça, x au carré moins le double produit, donc moins 3 fois 1 fois 2 moins 6x, moins 3 au carré plus 9. 4b, écrire le résultat du programme B, x au carré plus 3x plus 7 si on choisit x au nombre de départs. Maintenant, on va résoudre l'équation x au carré moins 6x plus 9 égale à x au carré plus 3x plus 7. Donc les x carrés se simplifient. On fait passer le 6x de l'autre côté, on doit avoir 9x. 9 moins 7, 2. 9x est égal à 2. X est égal à 2 neuvièmes. Donc il faut prendre x est égal à 2 neuvièmes pour que les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Exercice 5. Dans tout l'exercice, l'unité de longueur est le millimètre. On lance une fléchette sur une plaque carrée sur laquelle figure une cible circulaire, en gris sur la figure. Si la pointe de la fléchette est sur le bord de la cible, on considère que la cible n'est pas atteinte. On considère que cette expérience est aléatoire et l'on s'intéresse à la probabilité que la fléchette atteigne la cible. La longueur du côté de la plaque carrée est 200, le rayon de la cible est 100, la fléchette est représentée par le point F de coordonnées x, y, où x et y sont des nombres aléatoires compris entre moins 100 et 100. 1. Dans l'exemple ci-dessus, la fléchette F est située au point de coordonnées 72, 54. Montrez que la distance OF entre la fléchette et l'origine du repère est 90. 2. D'une façon générale, quel nombre ne doit pas dépasser la distance OF pour que la fléchette atteigne la cible? 3. On réalise un programme qui simule plusieurs fois le lancer de cette fléchette sur la plaque carrée et qui compte le nombre de lancers atteignant la cible. Le programmeur a créé 3 variables nommées carré de OF, distance et score. A. Lorsqu'on exécute ce programme, combien de lancers sont simulés? B. Quel est le rôle de la variable score? C. Compléter et recopier sur la copie uniquement les lignes 5, 6 et 7 afin qu'ils fonctionnent correctement. D. Après une exécution du programme, la variable score est égale à 102. À quelle fréquence la cible a-t-elle été atteinte dans cette simulation? Exprimez le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. 4. On admet que la probabilité d'atteindre la cible est égale au quotient R de la cible divisé par R de la plaque carrée. Donnez une valeur approchée de cette probabilité au centième près. Alors, exercice 5, donc un exercice sur le théorème de Pythagore et avec un peu d'algorithme et de la probabilité. Alors ici, donc on a une cible circulaire, rayon de la cible 100 en millimètres. Ici, on a la plaque qui vaut donc un carré de 200 mm de côté. Et F aura pour coordonnées 72, 54. Donc, on va calculer la distance OF. Donc ici, dans le triangle OHF, rectangle en H, on sait que OH est égal à 72 mm et HF est égal à 54 mm. Donc ici, l'abscisse est donnée par OH et l'ordonnée de F est donnée par FH. On veut calculer donc la longueur, la distance OF. On utilise le théorème
de Pythagore. Alors, OF au carré est égal à OH au carré plus HF au carré. Donc on aura 72 au carré plus 54 au carré. On peut calculer. Donc 72 au carré plus 54 au carré. On a trouvé 8100. Et donc OF est égal donc à la racine carrée de 8100. Qui est égal à racine carrée de 1190 mm. Donc, la distance OF est de donc 90 mm. Quel nombre ne doit-on pas dépasser? Donc, la distance OF ne doit pas dépasser pour que la fléchette atteigne la cible. Si la pointe de la fléchette est sur le bord de la cible, on considère que la cible n'est pas atteinte. Donc ici, la fléchette, donc F, doit être à l'intérieur de la cible circulaire pour que la cible soit atteinte. La cible circulaire étant un cercle de 100 mm de rayon, la distance OF ne doit pas dépasser 100 mm. Alors, lorsqu'on exécute ce programme, on a fait combien de lancers? Eh bien, on a répété 120 fois la boucle. Donc ici, on a fait 120 lancers. Quel est le rôle de la variable score? On compte le nombre de fois où l'on atteint la cible. Parmi les 120 lancers, bien entendu. Compléter, recopier, donc la ligne 5, 6 et 7. Donc mettre carré de OF x fois x plus. Si on a x, nombre aléatoire entre 100 et moins 100 et 100, et y, nombre aléatoire entre moins 100 et 100. Donc ici, abscisse x, et donc y fois y, donc ordonnée y fois ordonnée y. La distance à racine carré de OF, et la distance doit être inférieure à 100. C'est inférieur à 100. Après une exécution, la variable score est égale à 102. Quelle fréquence la cible a été atteinte? Donc ici, la fréquence sera de 102 sur 120. 102 fois 120 sur 120. Donc on peut diviser par 2. Donc 60. Si on aura 51. On peut diviser par 3. 7. La fréquence donc, de cible atteinte est de 17 vingtièmes. On admet que la probabilité d'atteindre la cible est égale au quotient et donc c'est l'aire de la cible divisé par l'aire de la plaque carrée, l'aire du cercle sur l'aire du carré, l'aire du cercle sur l'aire du carré. Donc l'aire du carré, ben, c'est 200 fois 200 au carré. L'aire du cercle, eh bien c'est pi fois rayon au carré. Le rayon c'est 100 mm. 100 mm. Rayon 100 mm. Donc si on aura pi fois 100 au carré. Pi fois 100 au carré. Si on aura 4, 0, 0, 0, 0. 100 au carré, c'est 10 000 pi. Donc ici, on peut simplifier par 10 000. 1 quart fois pi, donc pi sur 4. Donc, probabilité d'atteindre la cible est donc de pi sur 4. Exercice 6. Chris fait une course à vélo tout terrain, VTT. Le graphique ci-dessous représente sa fréquence cardiaque en battements par minute en fonction du temps lors de la course. 1. Quelle est la fréquence cardiaque de Chris au début de sa course? 2. Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Chris au cours de sa course? 3. Chris est parti à 9h33 de chez lui et termine sa course à 10h26. Quelle a été la durée en minutes de sa course? 4. Chris a parcouru 11 km lors de cette course. Montrez que sa vitesse moyenne est d'environ 12,5 km par heure. 5. On appelle FCM,
fréquence cardiaque maximale. La fréquence maximale que peut supporter l'organisme. Celle de Chris est FCM est égale à 190 battements par minute. En effectuant des recherches sur des sites internet spécialisés, il a trouvé le tableau suivant. Estimer la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course. Alors, exercice 6, donc lecture graphique et quelques calculs. Alors, quelle est la fréquence cardiaque de Chris au début de sa course? Donc, si on regarde le graphique, ici, on est là. Donc, ici, la fréquence cardiaque de Chris au début de sa course est de 51 battements par minute. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course est de 51 battements par minute. Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteint par Chris au cours de sa course? Alors, le maximum, on voit ici. Donc ici, 161. Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteint par Chris au cours de sa course? Le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Chris au cours de sa course est de 161 battements par minute. Alors, Chris est parti à 9h33 de chez lui, il termine la course à 10h28. Et quelle est la durée en minutes? Et si on fait un axe de temps, hop, on est à 9h33 ici, ça c'est le départ, et l'arrivée, 10h26. Arrive. Donc, entre deux, il y a 10h. Donc, ce temps-là, c'est 60 moins 33 minutes, et ici, 26 minutes. Donc le temps total, c'est 60 moins 33 plus 26. 60 moins 33, 27 plus 26, 53 minutes. Donc il a fait sa course en 53 minutes. Alors Chris a parcouru 11 km lors de sa course. Donc on veut la vitesse moyenne. On fait un petit tableau de proportionnalité. En 53 minutes, il a fait 11 km. Combien en 60? Ici, c'est la vitesse. Vitesse est égale à 11 fois 60 sur 53. 660 sur 53. On calcule. 660 sur 53. 12,45 à peu près. 12,45, et si on arrondit, c'est 12,5 km par heure. Donc, la vitesse moyenne est d'environ de 12,5 km par heure. Alors, fréquence cardiaque maximale, la fréquence maximale que peut supporter l'organisme. Donc, on veut savoir laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course. Donc ici, on est dans cette case-là. Donc soutenu 70% de 190, 70% de 190, et bien entendu 85 sur 100 fois 190. Donc ici on va trouver 133 et 161,5. Donc ici on regarde 133, voilà, 133 et 161,5, c'est la barre bleue. Donc ici, on va arriver à 8, et ici, on va arriver à 41. Donc 8, 41, donc ici ce sera entre 8 et 41 minutes. 41 moins 8. Donc 41 moins 8, c'est 33 minutes. Donc, on estime que Christ a fourni un effort soutenu au cours de sa course pendant 33 minutes. Exercice 7. La figure ci-contre n'est pas à l'échelle. On considère ci-dessus un triangle ABC, rectangle en A,
tel que l'angle ABC a pour mesure 30 degrés et AB est égal à 7 cm. 1. Tracer la figure en vraie grandeur sur la copie. Laisser les traits de construction apparents sur la copie. 2. Démontrer que AH est égal à 3,5 cm. 3. Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables. 4. Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer du triangle ABC au triangle HAC. Alors, exercice 7, donc un exercice de géométrie. Première question, tracer la figure en vraie grandeur sur la copie. Donc, on va utiliser GeoGebra pour tracer ce triangle rectangle. Donc, ici, AB 7 cm, l'angle ABC est égal à 32. Donc, AB est égal à 7 cm. B 7, segment AB. Ensuite, on va prendre un angle de 30 degrés. On va faire ça ci, A, B, 30 degrés, sens horaire, voilà. On trace la demi-droite, B, A'. On trace la perpendiculaire passant par A et segment AB. Voilà, on prend l'intersection. C, c'est l'intersection de H et de G. Voilà, on efface A'. Donc, on n'affiche pas l'objet. Et ensuite, on trace la perpendiculaire passant par A et le segment BC. Et donc, l'intersection de G avec I, eh bien, on va l'appeler H. Voilà. Alors, on peut ajouter les angles. Cet angle-là. Voilà. On peut aussi ajouter AB égale à 7 cm. Voilà, on peut axe et gris. Donc on a ici donc cette figure là en vraie grandeur. Donc ABC, angle ABC 30 degrés, AB 7 cm. On a angle droit en A et angle droit en H. Montrer que AH est égal à 3,5 cm. Donc ici, on va se placer dans le triangle rectangle ABH, dans le triangle ABH rectangle en H. On sait que AB est égal à 7 cm et ABC, donc l'ABC, donc ABH est égal à 30 degrés. ABH 30 degrés. Donc l'angle droit étant ici. Donc ici on aura l'hypoténuse, adjacent et opposé. Donc on va pouvoir calculer donc AH avec la formule sinus. Donc sinus de 30, donc de ABH est égal à opposé sur hypoténuse, donc sur AB. Donc AH sur AB. Donc ici, AB fois sinus de ABH est égal à AH. On remplace les valeurs. AB c'est 7 fois sinus de 30 degrés égal à AH. On peut calculer ceci avec la calculatrice. On vérifie bien que la calculatrice est en mode degré. Donc 7 fois sinus de 30 degrés, ce qui nous donne 7,5, donc 3,5. Donc 7,5 est égal à 3,5 cm. AH est égal à 3,5 cm. Alors on va démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables. Donc déjà, CHA, donc l'angle CHA est égal à 90 degrés et l'angle CAB est égal à 90 degrés.
Donc cet angle-là est égal à cet angle-là. Est égal à cet angle-là. Maintenant, on va montrer que cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc HBA, donc HAB, l'angle AHB est égal à 90 degrés. L'angle HBA est égal à 30 degrés. Donc ici, l'angle HAB est égal à 180 moins 90 moins 30. 90 moins 30, 120. 180 moins 120, 160 degrés. Donc ici, l'angle CAH est égal à CAB moins HAB. Donc 90 moins 60 égale à 30 degrés. Donc on a HBA, donc ABH, égale à 30 degrés. HABC, si vous voulez, donc c'est égal à ABC, 30 degrés, est égal à CAH. Donc ici, conclusion. Donc conclusion, les triangles ABC et HAC sont semblables. Alors ici, coefficient de réduction qui permet de passer du triangle ABC au triangle HAC. Ici on a 3,5 cm. Ici 3,5 cm. Donc ici on a l'angle de 30 degrés. Ici on a l'hypoténuse A. On va noter ici A. À quoi ça correspond? Donc là, hypoténuse, ça correspond à celui-là. Et A correspond à celui-là. Donc ici, pour passer au coefficient de réduction, eh bien ça va être HA sur AB. HA sur AB. Et donc, ça va être 3,5 sur 7. 3,5 sur 7, et bien ça fait 1 demi. Donc coefficient de réduction pour passer du triangle ABC au triangle HAC est de 1 demi.